Ouais poto, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Hey, je veux que ma mère soit fière de mon père. Bonjour, je viens là pour tourner la vidéo room tour. Allez, allez, on se réveille. Les gens l'attendent depuis longtemps. Wesh, wesh, les amis. Ça, c'est ma chambre. Allez, viens, là, il y a jacuzzi. C'est bon, je rigole, wesh. Bonjour les frères, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo room tour. Ça fait longtemps que vous l'attendez. Je sais, ça a mis du temps. Au final, c'est bon, on y est. Je suis malade, je suis au bord de, au bout du zeb. Mais on va vous la faire quand même, les frérots, parce que vous nous régalez. Là, actuellement, vraiment, à l'instant où je vous parle, il y a Michou qui est en train de se doucher là-dedans. J'ai une douche. Spoil, pas le salon, vas-y passe. Voilà. Ah là t'es un bon sale. Bon du coup, on descend l'escalier, ça résonne un petit peu, désolé pour le son, mais ça malheureusement on pourra rien y faire. Là, c'est la chambre du bichou, mais bon vu qu'il a la douche, on va l'attendre pour commencer. Alors là j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur parce que là on s'approche de la chambre du monstre. Donc si jamais j'ai pas de chance et que ce mec est en train de dormir, je vais me prendre cher à mon matricule, donc Oh en fait tu parles les couilles les gars, je suis en train de bosser. T'es en train de bosser sur quoi? Sur ma chronique. Tu bosses sur ta chronique? Bah ouais, parce que il est 16h30 et c'est ce soir 21h, c'est un petit canard. Ta chambre toujours fait quand j'ai un petit cocon. C'est la vidéo du setup là? Ouais, c'est la vidéo room tour. Zabi, enfin, ouais, genre, on a attendu hein. Ce qui me fait que ça fait 3 semaines, sa chambre elle était rangée tous les jours, nuit et jour, pour attendre la vidéo room tour. Bienvenue dans ma piole. Dans ton antre. Ah, vas-y. Parle-nous de ta chambre, frérot. Hein. Alors, c'est simple, ça c'est mon décor. Poster Rick et Morty, tac, personnalisé. Ça c'est mon poster, ça, c'est mon 70-30. Tac, petite décoration, tac, tac, bim, bim. Et du coup, ça c'est mon PC. Giga bon PC de fou. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il y a des trucs de fou. C'est Moustou film la montée. Focusrite, tac, Stream Deck. Bon, ça bouge pas, c'est comme le premier setup. Petite bougie. Ça c'est très important, les gars. Pour les fumeurs, comme ça vous pouvez allumer vos clopes et ça sent bon. C'est du 2 en 1. Et voilà quoi. Après, j'ai un grand plumard et Zubby, voilà. Petite salle de bain de presse. C'est ça qui est incroyable, c'est que... Maintenant c'est plus la même coupe, tu vois. Maintenant c'est salle de bain avec une petite douche. Là t'as un dressing, frère. Bon, là il manque plein de trucs parce qu'il y a plein qui est au sale. Là franchement, si. Et voilà, c'est ma petite piole, quoi. N'oubliez pas dans les commentaires, vous retenez comme ça dans les commentaires, vous mettrez votre chambre préférée. Bref, ça c'était la piole de fake. Dernier mot avant de partir. Gang gang, motherfucker. Parfait. Là. Déjà là, je suis pas content, c'est quoi ça? Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui a investi un micro. Il y a une private joke là derrière, là. Vous pourrez pas comprendre. Bienvenue dans la chambre de Nathéos. Salam alaikum. Ça va Nathéos? Bonjour. Ça va et toi? Tu te rappelles la dernière fois qu'on s'est vu? Quand c'était dans le truc. Ah oui, j'étais en haut. Il y avait même mon lit avec des coussins dessus. Ah, ça y est, t'as un vrai. Ah, j'ai un vrai lit. 160 par 220. Regarde le truc, il est dans le thème. Non, mais t'as plus des engrenages, frérot. C'est beau, ouais. Je suis un vendeur d'engrenages. Là, c'est un vendeur d'engrenages en mode il aime l'espace, frère. Ça y est, des engrenages, frère. En fait, c'est un mécanisme super pointilleux pour une finalité super simple. Ouais, vas-y, montre, frère. C'est plein d'engrenages, juste pour te donner l'heure. Eh ben, vas-y, parle-nous de ta chambre, mon frère. Régale-nous. Comme je l'avais dit avant, je voulais un décor avec des engrenages. Donc, j'ai pris un peu le maximum d'engrenages. Et je suis dans le style steampunk avec des trucs en cuivre, des trucs marron doré et tout. J'ai mon mannequin, Didier. Je vous le présente. Je lui ai pas dit bonjour. Peggy 18. Ouais. Donc, qui est avec moi depuis maintenant quelques temps. Avec son t-shirt jobless, n'hésitez pas, le drop de Kerry. Ici, j'ai un petit rappel de l'espace. Mais ça, c'est incroyable. Non, mais attendez, parce que ça, c'est incroyable. Regardez. Elle vole. Elle vole. Ça. C'est incroyable. Et voilà, et je l'ai cassé. Donc, après, bon, moi, j'ai mon frigo et tout. Le frigo de la pince. Oh mon dieu! Oh là là. Mais putain, mais c'est mal les sandwichs. Et en plus, vous pouvez la manger parce qu'il y a du pain et il fait mais... par là. C'est grave, t'es trop mal, hein, t'es trop smart. Moi, j'ai une salle de bain avec une baignoire. Et voilà, là, c'est une salle de bain classique après. Je sais pas ce que tu veux filmer. Vas-y, filme-toi. Ah non, c'est... Après le setup en vrai de vrai c'est le même. C'est quoi le fichier bloc-note là? Ça c'est le samedi de la canap, alors regarde pas toi ça chien. Oui, parce que là on est samedi. Ça veut dire que là il va y avoir samedi canap ce soir. Comme ça on va même vous montrer le sujet du samedi canap. Et dernier truc, j'ai acheté des ampoules LED comme tout le monde je crois. Pour donner des ambiances à ma chambre. Je peux mettre en blanc, je peux mettre en tout ce que je veux en fait. Après il y a des trucs qui ont changé, les lumières c'est plus les mêmes. La caméra c'est plus la même. Là tu vas passer sur GoXLR plus le micro. Ouais, que j'ai reçu d'ailleurs, il faut que je sais pas. Et il y a aussi des changements qui vont arriver, je vais avoir un bureau plus grand. Petit mot de la fin pour convaincre les gens de voter pour dans les commentaires. QLF. Mais tout le monde est QLF dans cette maison. Et s'il y a des Français, je suis le seul. Ok, allez, venez, n'oubliez pas dans les commentaires de vous marquer. Là, on rentre dans une chambre
de droguer. Les gars, je vais rentrer, je suis sûr, il est en train de faire semblant de faire un truc. Il est en train de faire semblant de travailler ou un truc comme ça. Voilà, non, c'est grave, la vie de la mère, c'est grave, c'est trop, frère. J'étais en train de baisser pour de vrai, frère. Je suis en train de commander mon mur de fond et tout. Expo mural. Regardez, là, je t'ouvre un onglet Google, il a marqué Expo mural, Germain. Ça va, Pélo? T'es bon gosse, dis donc. La chambre de Loli, il est fait ça. Oh! J'ai eu un peu de progression, mais non, franchement, bien content, bien installé. Je vous présente la chambre. Ouais, parti, ok. Alors, la chambre, les poteaux, bah, la télé, forcément, ça c'est trop pratique. Franchement, ça c'est les bons moments. Oh putain, oh, mais qu'est-ce que t'es laid! Mais qu'est-ce que t'es moche! Je redis les choses, quand j'ai les cheveux longs, je suis moche, quand j'ai les cheveux courts, je suis moche, quand j'ai les cheveux mi-longs, je suis moche. Parce que tu fais de la merde avec tout le temps. Vous savez ce qu'un homme a fait un jour dans sa vie? Il a laissé pousser ses cheveux, on a dû lui insulter sa grand-mère pendant des années et des années, et au bout d'un moment, il a inventé cette mode d'avoir les cheveux longs. Faut que je prenne des risques dans la vie. J'ai 19 ans, je suis au sommet de ma beauté. Toi, tu pourras même pas faire des tests gros, t'as une calvitie pour pousser. C'est bon, vas-y. Du coup, les gars, je disais, ça, les petites mousses, je vais les enlever. Les cadres, je vais les déplacer. Ici, il va y avoir du changement. La télé va pas bouger. Je fais une OP Netflix, fils de pute. Ah oui, en plus, ah oui, c'est vrai. Je leur fais de la pub gratuite. On va l'éteindre, on fait des pubs gratuites de Netflix. Mais prime vidéo, mais prime vidéo. Tu vois, comme ça, au moins, les gens vont prendre des primes, après, ils vont se sub chez nous. Ici, par contre, les gars, c'est incroyable. Voilà, en plus, j'ai acheté des trucs pour pouvoir brancher la Play sur le PC. Le PC se branche à l'écran et la Play est sur l'écran et sur le PC en même temps. Incroyable. Moustouf, ça, c'est Moustouf. Ouais. Oh, t'as pris un repose-pied toi aussi. Ah, je t'ai copié sur ça, mais c'est vraiment ultra incroyable, pratique, les gars. Incroyable. T'as même du truc pour poser ton casque et tout là, voilà. Ouais, y a des petits trucs pour poser le casque. Management, comme j'ai dit, c'est nickel. Le micro. Je te dis la vérité, si je suis pas Gilles Tommy, c'est setup que je veux là. Ça, moi, j'aime trop, je suis trop bien. Après la petite présentation, la petite salle de bain, les gars, tranquillou. Hop, hop, hop. Ici, on vient. Bon, moi, j'ai plein de petits trucs pour prendre soin de moi. Ça, tu peux montrer, hein, c'est important que les gens y sachent quand même. Et voilà les potos, la belle vie. Et voilà, encore une fois, le frigo du rat. Tous les membres de la GL, ils ont, à part moi qui ont un frigo de rat, c'est du jamais vu. Ah non, moi c'est juste pour les boissons. Ah, c'est juste pour les boissons. Eh mais frère, quand j'ai installé le frigo aussi, je t'ai dit quoi dès le début? J'ai dit ouais. Thomas, tu viens quand tu veux prendre une boisson. Et frère, je te ramène pas des boissons à domicile dans ton monde. Non, je les ramène d'en haut, je les ramène pas d'en bas. Si, des fois je ramène d'en bas. On fait moitié le frigo. Moitié. Je ramène des items aussi. Vas-y, je ramène des items. Mais pas avec les fils de. Voilà, ça c'est mort, les autres c'est des enculés. Ok, merci. Merci, merci les amigos. Merci Loli. Bon là, on commence à rentrer un petit peu dans le point de stockage. Il y a un petit peu des écrans, c'est un petit peu le point de transition parce que Elias, vous le connaissez sa chambre, c'est super compliqué. Donc il y a un petit peu tout qui est stocké, mais tu mets bien la caméra vers en haut, voilà, pour cacher un peu le bordel, pour faire semblant que la maison est bien rangée alors que pas du tout. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'antre de Elias. Salut Elias, tu vas bien? Oui. Ça commence à devenir de besoin, mais ta chambre. Ah ouais? Ouais, je commence à bien. Avant quoi le jeu tu regardes quoi? Un documentaire sur le CNES. Sûr? Le CNES. C'est quoi? Le Centre National d'Éducation Spatiale. L'acteur, je suis choqué. Non, c'est vrai. Et pourquoi il n'y a pas de saut? Parce que je sais que t'allais venir. Il parle de Mars et de la vie sur Mars. Tu peux vérifier là? Vas-y, vérifie. Alors? Il faut savoir plus d'anecdotes que c'est toujours l'endroit où les gens se réunissent pour faire des trucs. Bah du coup en gros vu que j'avais la chambre la plus grande, je me suis dit je vais la couper en deux espaces. Je vais faire le premier espace boulot, tu vois ici. Et le deuxième espace Ah c'est du vrai hein. Mais ouais je crois ça. C'est du vrai, tu sais à qui elle est? Non, à toi. Elle est à DTF, c'est la grégousse de DTF, je la garde en souvenir. Ça, la soirée DTF. C'est la vraie, c'est la vraie. Et pourquoi tu l'as gardée? Parce que c'est un souvenir de fou genre. Fallait m'en mettre disque d'or. Ils ont dit on a tout donné à Tommy. Du coup voilà, mon espace pro ici, mon setup. Mes deux écrans, ma chaise, notre bonne chair, voilà, tout le tralala. Et vu que j'avais de l'espace, je me suis dit bah je vais faire un mini salon. Et donc le mini salon il est là. Avec voilà des petits tabourets si tu veux de Zeppo, ma télé et mon canapé lit sur lequel je dors. Et en ce qui concerne les murs, parce que je vais pas les laisser blancs, j'ai prévu quelque chose. C'est derrière la télé. Tu vas regarder ce que j'ai prévu? Ouais, moi je regarde. Faut pas dire. Moi je regarde. Tout est caché derrière la télé. Ben franchement j'aime bien. En fait, la chambre pue, toi. Enfin, pas en termes d'odeur, mais en termes de dégagement. Et juste, je préviens, ici, vous aurez un boa constrictor vert femelle. Donc ici, pour se reposer mon serpent, vous pouvez le retenir. Ouais, il fait du foreshadowing. Il annonce aux viewers, alors qu'on en a parlé entre nous, on a dit ouais, on verra. C'est lui le premier avec le freestyle serpent. C'est lui le premier foreshadower. Serpent sonnette? Serpent sonnette, c'est pas un boa. Prends serpent sonnette. Ça casse les couilles, je crois. Je crois que ça casse les couilles. Une raison de voter pour toi dans les commentaires. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une raison, les frères? Oui. Bah non, ils ont tout vu. Et du coup, les frérots, mon bureau. Oh mon dieu, j'avais oublié lui frère. Wesh, j'avais oublié Amine. Il dort dans mon bureau. Ben on va repasser après hein. Ok, bon du coup, on va à la chambre de Bichou. Bichou, ta chambre. Bienvenue dans l'entrée de Bichou. Oui monsieur dame. Bon. Écoutez, je vous fais la présentation de ma chambre. Alors ici on a une pierre ancestrale qui a été déposée dans ma chambre pendant que j'étais en stream. Je pense au début que c'est un nid d'abeille et au final c'est un caca. Ensuite on a mon joli setup avec ma carte d'identité, ma Go XLR, mon micro, ce qui me sert en tout cas à stream. Derrière moi on a mon décor qui est plutôt mignon, je le rappelle, je trouve. Sur le côté on a des emballages etc que je dois pas tarder à jeter. Mais bon ça on sait jamais si je dois garder de la petite déco et tout. Ici c'est tout ce que je peux pas mettre dans l'armoire parce que c'est trop gros et il y a un manque d'espace. Donc je dois acheter un autre meuble qui va remplacer celui-là là-bas là, pour que ensuite
je pouvais savoir la place. Mon petit lit avec des petits cœurs, etc. C'est bon, c'est sympa. Ma petite lampe, mon PC portable quand je me pose le soir hein, pour regarder les Simpsons. Non, moi, hein, regarder les Simpsons. Mon armoire qui, je dois dire, quand même, est plutôt bien rangée, je trouve. Ouais. Par compartiment, veste, sweat, t-shirt, caleçon, chaussettes, casquette. Faut savoir, viens voir Samuel. Ouais, du coup, je vous disais, faut savoir que toutes les lampes donnent sur le jardin. La pompe de la piscine, elle est cassée, je suis dégoûté. Du coup, là, elle est sale. On peut même plus se baigner. Mais bon, on a un jacuzzi, donc. Ça, c'est des problèmes de riches, les gars. Je vous souhaite de les avoir aussi un jour. Les gars, Samuel, il a pas tardé à tomber, par contre, je pense. Hein? La service, il a pas tardé à tomber. Si ma serviette tombe, il aura qu'à flouter mon sgeg, et puis voilà. Et tu sais, même ce qu'on peut jouer, on peut jouer un jeu, hein. Du coup, je disais, pour les commentateurs, etc., vous pouvez mettre une jolie petite note sur 20. Non, par contre. T'as pété un câble, frère. Tu sais, qu'ils vont me rajouter un caleçon, là, sur le montage. Enfin, bref, du coup, mettez-moi une note sur 20 sur ma chambre. Moi, je pense que c'est un joli 18 sur 20, c'est une chambre. 18? Oui. 18, ça, là? Oui. Mais 18, ça, jamais. Elle vaut largement 18. Jamais. Si, jamais. En fait, ce qui rattrape pour moi, c'est parce que t'as un bon setup. Donc, du coup, c'est ce qui va faire rêver les viewers. Et les viewers, ils vont dire, ah ouais, il a un bon setup, tu vois. Deux écrans, casque, micro, caméra, un bon PC. Moi, écoutez, pourquoi je me mets 18, c'est simplement et pour la seule et unique raison que je trouve que c'est une belle chambre d'étudiant. En fait, vous pouvez vivre comme un monde, vivre dans cette pièce pendant au moins une semaine avec un mini frigo tranquillement sans que ça vous dérange. Bah, merci, Bichou. Voilà. Dans les commentaires, comme ça, vous mettrez vos notes. Sortez de ma chambre. Sortez de ma chambre, tout de suite. Pardon, dehors. Là, on rentre dans la pièce secrète. Parce qu'à la base, c'est la cuisine. Mais il y a aussi une pièce secrète, bien sûr. C'est là qu'on va pour le samedi canap. Donc, du coup, bienvenue là où on fait le samedi canap. Voilà, là, c'est ici qu'il y a Moustouf et qui travaillent. Donc, du coup, eux, ils sont juste là derrière, on commande. Et nous. On fait les cons. Et en fait, la douille, c'est que regardez, en fait, on fait dans le garage. Voilà un petit peu à quoi ressemble une régie. Là, t'as le retour des cams qu'on va balancer en live. Ok. Ça, c'est pour les réglages des caméras aussi. Et toutes les caméras, le son, la colorimétrie, tout ça. Ok. Après, t'as Streamlabs comme d'hab. Et ça, c'est incroyable ça. Ça aussi, cousin. Généralement, ça change de. Ça change de caméra, merde, je suis en train de tout casser là. Regardez la table de mixage, les trucs des micros, petit ventilateur parce qu'il fait hyper chaud ici. Là, les lumières qui tapent aussi, frère. C'est là que nous on se voit pendant les émissions. Ça, c'est le setup de quoi? Ça là, en gros, quand tu vas chanter ce soir, tu peux en voir. Oh, trop stylé. Il va y avoir une chronique de chant. De toute façon, vous l'aurez vu pendant le samedi canap, ça. Parce que le samedi canap sortira avant, forcément. Et moi, ben, dès qu'Amine est réveillé, ben, je vous fais ma vidéo de mon bureau. Many hours later. Normalement, c'est Momo qui filme. Et Momo, il filme avec un truc stabilisateur. Vas-y, fais des droites gauche comme ça. Et du coup, venez, on va faire ma pièce à moi. Bienvenue dans mon setup, les frérots. C'est exactement là que je stream. Là, je suis assis et paf, je stream. Et c'est comme ça que je suis top à Twitch. T'es à l'aise là? Ah frère, ouais, franchement, ça fait plaisir. C'est encore un petit peu le bazar là. Je sais pas encore comment je vais mettre tout ça. Normalement, c'est un écran parce qu'il faut savoir que cette pièce à la base, c'est une salle de cinéma. C'est-à-dire quand on a pris la maison, eh ben, à la base, c'est une salle de cinéma. Il y a le projecteur. Ouais, voilà, c'est le projecteur de base. Du coup, il y a la Xbox Series S gentiment envoyée par Microsoft. La PS5 gentiment envoyée par Sony. La petite manette de Play là. J'ai la manette de Xbox ici. Trois écrans, caméra Nikon, je sais pas trop quoi, j'ai pas les refs et franchement, vu la vérité, je pense que je les mettrai pas dans les. Dans la description, donc restez en chien. Le micro, c'est un chur, je sais pas quoi, avec le casque qui va avec, super confortable. Clavier Corsair, souris Logitech, Stream Deck, Go XLR, trois écrans. Et voilà, hein, avec les lumières qui vont avec. La petite climatisation, ça met bien, parce qu'il faut savoir que l'ordinateur il tourne, il chauffe. Et ça c'est la meilleure partie. Ça, c'est collector ça. Les disques d'or de DTF, offert en main propre par DTF. Voilà un petit peu mon setup, les frérots. Ça, c'est un chapeau de cowboy. Quand j'étais marqué séparé de Red Dead, j'ai acheté des chapeaux, mais il m'a trop petit. Ça va. Je te jure, ça. On dirait l'Undertaker. Ah oui, et ça, néon offert par Twitch aussi. Je crois qu'ils nous l'ont envoyé parce que. Ils sont tigeants. Le petit repose-pied en bas là, sous le bureau pour être. Le petit repose-pied en bas pour être bien à l'aise. Tu veux faire un plan sur le PC peut-être, tu vois? Voyez un petit peu le monstre. Mais ouais, ça paye. À l'époque, on n'avait pas 1€ pour acheter des PC. Là, maintenant, c'est bon, on est bien. Ah oui, et la chaise Logitech Herman Miller, la collab là qu'ils ont fait, pareil, envoyé par Logitech. La plupart des trucs chers dans mon setup, ils ont été envoyés gratuitement. C'est un peu ça la célébrité, ça veut dire que plus t'as de l'argent, moins tu payes. C'est carrément con. Ça n'a pas de sens. Quand t'as pas d'argent, t'as pas les moyens pour s'acheter des trucs, tu dois les payer. Et quand t'as les moyens de les payer, bon, tu les envoies gratuitement. Voilà pour mon setup à moi, les frérots. Ouais, le salon, malheureusement, vous le verrez pas aujourd'hui parce que là, on sort du samedi canap. Y a Medja, plus un petit peu celui de staff et tout qui travaille, donc on va pas te filmer maintenant. Enfin bref, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Merci au moins de filmer. Momo qui est le nouveau caméraman de la chaîne. Ça veut dire que là, les vlogs qui vont sortir, les vlogs qu'on va faire à Paris et tout, et ben, ce sera lui qui filmera tout. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Merci carré. Beaucoup. Oubliez pas de mettre un pouce bleu, abonnez-vous et merci Momo. Merci à toi. Depuis petit on vaccine, faut des lovés pour les filles ou elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer.